Coucou tout le monde. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes top 10, mon top 10 en fait, mon top 10 de mes meilleurs produits sur le site iHerb. Voilà, je fais ça pour les filles qui n'ont jamais commandé ou qui ont du mal à commander sur le site iHerb. Le site iHerb, c'est un site où je commande très régulièrement des produits. J'adore ce site. Et c'est vrai que quand on connaît pas les produits, quand on sait pas trop comment chercher, c'est un petit peu compliqué sur le site. Donc moi, comme je commande régulièrement, j'ai décidé de vous présenter mes meilleurs produits. C'est d'ailleurs Aurélie de mon groupe Facebook, je te fais de très très gros bisous Aurélie, qui m'a suggéré cette vidéo. Et c'est vrai que c'est une vidéo quand même très utile pour les filles qui n'ont pas l'habitude d'aller sur ce site. Donc voilà, j'ai sélectionné mes 10 meilleurs produits. Je vais commencer par une brosse naturelle. Je vais aller un petit peu vite pour vous présenter les articles. Mais si vous avez des questions, de toute façon, il y a tous les liens en barre d'infos. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. J'y répondrai. Vous pouvez me les poser en commentaire. Donc ça, c'est une brosse de la marque Earth Therapeutics. C'est une brosse en poils naturels. Et derrière, vous avez des petits trucs comme ça là pour se masser. Mais bon, j'en vois pas trop l'utilité, ça me fait rien. Par contre, la brosse en poils naturels, c'est génial pour se gommer et activer la circulation sanguine. Et donc, du coup, ça aide à lutter contre la cellulite. C'est très très bien. Et même avant d'appliquer votre crème anti-cellulite, anti-capiton, vous vous brossez à sec avec ça. C'est absolument génial et ça fait beaucoup de bien au corps. Toujours de l'extérieur vers l'intérieur du corps, vous massez en faisant des mouvements circulaires comme ça. Et d'abord c'est agréable, vous forcez pas trop parce que ça peut vous faire mal, ça gomme votre peau et après la crème anti-capiton va mieux agir sur votre peau et ça c'est pas négligeable. Ensuite je continue avec les petits baumes à lèvres comme ça qui sont très très bien de la marque Uro. Donc moi j'en prends régulièrement, celui-ci est un SPF de 15 sur les lèvres et il fait un petit côté un petit effet perlé sur les lèvres, c'est hyper joli. Voilà, donc moi je me le réserve, je me le garde pour les vacances. Les baumes à lèvres de cette marque sont vraiment très bien, vous les trouvez donc sur iHerb. Les All Over Cover Stick de chez ULF, voilà, j'en ai 40 millions. Donc mes préférés, je vais vous présenter mes préférés, donc c'est comment il s'appelle? Le Rosy Beige. Donc il est un beige comme ça qui peut faire office de correctif sur le teint ou illuminer le regard. Vous avez un foncé comme ça que vous pouvez utiliser en tant que, comment dire, en tant que, pour faire du contouring. Celui-ci c'est le Toffee. Et j'ai un highlight aussi magnifique. Celui-ci qui est le Golden Peach. Donc voilà, vous les trouvez sur le site iHerb, c'est la marque ELF, mais vous pouvez aussi trouver sur le site ELF, mais sur le site iHerb, ils sont, je crois, à 1 dollar, ou un petit peu plus. Et j'adore ces petits produits de la marque ELF, ce sont mes produits favoris de cette marque. Ensuite, on va continuer avec des compléments alimentaires. Donc, je prends très souvent des compléments alimentaires. Là, dernièrement, j'ai acheté ceux de la marque Solgar, qu'on trouve d'ailleurs bien moins cher que dans vos magasins bio. Moi, j'ai trouvé un complément alimentaire à l'aloe vera dans mon magasin bio, marque Solgar, 23 euros. Je vais sur le site iHerb, je regarde le prix, 9 euros. Donc, vous voyez, là, il y a vraiment une très très grosse différence. Ce sont des compléments alimentaires de très bonne marque. Mais moi, j'ai envie de vous présenter celui-ci parce que je ne l'ai pas encore testé, celui que j'ai. Celui-ci, je l'ai testé et il est génial, les filles. Génial. Franchement, j'ai senti les effets. Donc, c'est la marque Country Life. Donc, c'est un multivitamine. Vous avez un cachet à prendre par jour. Et à l'intérieur, vous avez tout un tas de vitamines. Quand on est une femme active qui fait du sport, qui se lève tôt. Oh, tiens, c'est le postier. Bon, c'est pas grave. Il arrive à répondre. Donc quand vous êtes une femme active, que vous faites du sport, que vous surveillez votre alimentation, vous n'avez pas besoin de coups de fatigue, on ne dort pas beaucoup, etc. Ça aide vachement bien. J'ai vu aussi les effets sur mes cheveux et sur mes ongles. Ensuite, un tonique. Alors, mon meilleur tonique de tous les temps, je l'adore. C'est le Rose Water and Glycérine. Celui à la glycérine, c'est le meilleur. Il y a le Rose Water tout court et celui à la glycérine, c'est le meilleur. De la marque Heritage Store. Il a une odeur de rose fraîche. Il laisse une peau fraîche, hydratée,
qui tiraille pas du tout, qui fait du bien. Moi, je l'applique sans coton, je mets un petit peu au creux de ma main et je me l'applique comme ça sur le visage. Ça fait un bien fou. J'adore, je le conserve au frigo, il fait frais, resserre les pores. Génial. Ensuite, on va continuer sur un contour des yeux. Celui-ci. Donc, c'est de la marque Be Natural. Donc, c'est un petit baume qui me dure, mais 1000 ans. C'est un petit baume avec des huiles végétales à l'intérieur, de la cire d'abeille et une huile essentielle aussi. Une huile essentielle de carotte. Donc, c'est un contour des lèvres. Huile végétale de riz, huile végétale d'olive, d'avocat, de coco, sunflower, de tournesol. Et donc vous prenez un petit peu comme ça et vous appliquez sur le contour des yeux en tapotant. Ça va laisser un léger film gras, donc du coup moi je le mets que le soir. Il est génial, il est génial ce contour des yeux. Il me lisse le contour des yeux le matin au réveil, je suis très contente. Mon contour des yeux c'est ma phobie. Je vous dis, donc ça c'est un très très bon produit, je vous le conseille à 1000%. De toute façon tous les produits que je vous présente, ce sont mes meilleurs, donc je vous les conseille quoi qu'il arrive. À 1000%. Ensuite, les graines de chia que j'achète tout le temps aussi sur le site iHerb. Donc là, celui-là, ce sont les graines de chia blanches de la marque Now. Là, les graines de chia, est-ce que j'ai besoin de vous les représenter? C'est une source de calcium et de fibres qui est très très bien, surtout pour les personnes qui ne prennent que des produits végétaux, qui sont végétariens ou végétalien. Moi je ne le suis pas, hein, mais les graines de chia j'aime beaucoup sur les salades, ça apporte un petit croquant et en plus ça apporte du calcium, c'est une très bonne source de vitamines et minéraux qui donnent de la force en fait au corps naturellement. Donc c'est parfait. Ensuite on va passer au shampoing. Alors mes meilleurs shampoings, la meilleure marque que j'ai pu tester sur ce site et celle sur laquelle je reviens toujours, c'est la marque Acure. Là, on a un shampoing pour le volume, parce que moi, j'ai pas beaucoup de volume, je suis tout le temps à la recherche de volume, mais là, ça va mieux. Donc, c'est un shampoing que j'ai terminé, il marche super bien, celui-ci. Je vous mets tous les liens en barre d'infos de toute façon. Je les mettrai pas tout de suite, parce que j'aurai pas le temps, mais ne vous inquiétez pas, ils y seront, vous verrez. De toute façon, je vais planifier cette vidéo, vous l'aurez. Voilà, je la fais aujourd'hui, j'enchaîne en fait les vidéos aujourd'hui, c'est vrai que je suis habillée tout le temps pareil. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Qu'est-ce que je dis moi? Oui, ce que je veux dire, c'est que je mettrai de toute façon les liens. Si vous les avez pas tout de suite, je les mettrai un petit peu après. Ne vous inquiétez pas. Il faut juste que je trouve le temps. Et là, en ce moment, je suis sur leur shampoing à la kératine brésilienne et à l'eau de coco qui donc l'eau de coco fait du bien aux cheveux, fait pousser, etc. Et surtout, il y a une, elle a une, je perds mes mots, j'ai trop parlé. Ça a une fonction en fait lissante sur les cheveux. Voilà. Donc, il est très bien, il nettoie très bien les cheveux. Il est un petit peu liquide. Donc moi, je le conserve comme ça. J'ai toujours peur d'en retrouver dans le bouchon. Je déteste ça. Et il a une odeur absolument délicieux, c'est le seul parce que les autres, ils ont pas vraiment d'odeur. En fait, celui-ci, il a pas vraiment d'odeur. Mais celui-ci, il a une odeur de coco. Dû à l'eau de coco qu'il contient, hyper agréable. Voilà, les shampoings et les après-shampoings de la marque Acure, c'est une valeur sûre, les filles. Voilà. Ensuite, on en est à l'avant-dernier produit. Donc ça, c'est un gel nettoyant, clarifiant de la marque Andalou Naturals, qui est aux actifs de fruits et notamment au citron et au pamplemousse en fait qui clarifie le teint. Si vous avez une peau à tendance grasse, acnéique, etc., il est très très bon. Moi, je fais ça vraiment quand j'ai envie de me nettoyer en profondeur le visage, que j'ai pas envie de me faire un masque de boue ou d'argile, juste me nettoyer comme ça le visage en profondeur. Et voilà, l'odeur est hyper agréable, il fonctionne très bien. Si vous pouvez l'utiliser tous les jours pour celles qui ont la peau grasse, et il est pas irritant, il est pas abrasif, il est très doux comme nettoyant. Voilà, Andalou Naturals, Naturals, clarifiant. Ensuite, le dernier produit. Alors là, je vais vous présenter le gel d'aloe vera.
Enfin, c'est pas le gel, c'est de cette marque Real Aloe. Ce que je voulais vous présenter, j'en ai plus en fait. C'est le spray Real Aloe. Donc, c'est de l'eau en spray qui est enrichie à l'aloe vera. Et ce produit-là, je l'ai acheté pendant très très longtemps. Là, je l'ai plus acheté. Je sais pas pourquoi. Du coup, en me remémorant mes top 10, je l'ai remis dans mon panier pour ma prochaine commande iHerb. Mais c'est de cette marque-là. Là, c'est le gel d'aloe vera, mais comme il est coupé, c'est pas du gel natif, je préfère celui d'Aromazone. Enfin, c'est de cette marque que je prends tout le temps le spray. Je vous mets en barre d'infos le lien. Voilà, ça coûte rien, ça coûte 3 ou 4 euros la bouteille, ça vous dure longtemps. Je l'utilise sur mon visage, je l'utilise sur ma peau, j'utilise sur mes racines, j'utilise sur mes cheveux pour me rafraîchir en été. Bon, voilà, je l'utilise aussi dans mes DIY, ce spray, cette eau enrichie à l'aloe vera, c'est hyper agréable. Voilà les amis, je pense que j'en ai fini. J'espère que cette vidéo vous sera utile. C'était le but. Et que ça vous aura fait découvrir de nouveaux produits. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.